Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le serveur pour le deuxième épisode de la série qu'on a appelée The Red Series au final. Donc je suis toujours en présence de Doualex. T'as beau cul, Voilà. t'sais. Donc Ah non, j'ai moi qui m'en saoule. Fait que c'est voilà ça. donc hein? Je te coupe. Allez, pardon. Donc on va vous présenter une deuxième machine qui est un lanceur de poulet au final. C'est comme le lanceur de PNJ, mais ça lance des poulets. Parce que mon ami voulait que je lance des poulets, parce que c'est plus facile à taper. Puis ça s'est avéré assez différent que la machine à PNJ au final. C'est surtout au niveau du caisson des poulets, à la monotonie des poulets, parce que eux autres, quand ils montent, là, ils montent pas genre normalement. Eux autres, ils montent pépère. Ils montent un à l'heure, ok? Fait que la technique, c'est vraiment de créer un espèce de système ici pour qu'ils puissent monter et respirer entre chaque. Je vous dis, ça a été la galère totale. Vous pouvez demander à Alix qui est justement Ouais, ici. c'était une grosse galère, ça. En gros, je vais vous expliquer je cache le système. Donc. En gros, je vais vous expliquer c'était quoi le système de Redstone. On pourrait dire assez simple, mais j'ai pas vraiment envie de le dire parce que ça c'est oublié, ça c'est d'autres machines qu'on va vous présenter dans d'autres épisodes. Ouais, j'ai sans défaut, on a fait plein de machines. Donc, premièrement, le système auto habituel, donc qui monte jusqu'en haut et qui actionne comme ça ici les deux pistons avec la bonne fréquence. Donc la bonne fréquence c'est quoi? Je vous montre ça tout de suite. La bonne fréquence c'est un cocher ici sur le truc de redstone, Répéteur. le repeater, merci, et un truc de cocher ici sur le repeater ici aussi. Donc je vous présente rapidement ici, bot switch, paf, tac, et de l'autre côté, notre bot switch, tac. Donc il est fermé ici, le piston est ici, puis quand vous cliquez, ben, tout simplement ça actionne comme ça. Mais on voit pas vraiment parce que ça lag, c'est ça en gros, ça s'allume, ça se ferme. Après ça, c'est l'élévateur de poulet qui a pris, genre, c'est ça qui était le plus long. Ouais, c'est ça qui a mis le plus longtemps à faire en fait. Après ça, la petite ferme à poulet où les poulets pondent leurs petits œufs et ils tombent dans les droppers pour être emmenés directement à la machine que je vais vous montrer immédiatement. Donc, un autre truc auto que vous actionnez et ça tire toutes les œufs, ça tire des œufs jusqu'à faire des bébés. Puis ensuite, ces bébés-là, ben, ils vont servir à en faire d'autres œufs, puis ensuite attirer d'autres bébés qui pourront ensuite être automatiquement envoyés dans la machine pour qu'on puisse les tirer comme des petits bétails de merde. Puis comme vous savez, les œufs ou les balles de neige, ça tue pas les mobs, même si on fait, même s'ils deviennent rouges, comme s'ils mangent des dégâts, ça fait que repousser. Fait que c'est ça. T'as-tu quelque chose d'autre à ajouter pour l'instant? Non. Okay. Non, tout est complet. C'est bon, quoi? Ok, ouais, ils fondent encore sur ça. Donc, on va le désactiver. J'ai dit désactiver. Désactiver. Ok, c'est pas grave. Bon, est-ce que c'est toi qui l'avais été? T'es sale. J'avais pas compris. Laisse mon cerveau du soir se calmer. Donc ici, le système qui va être sans doute l'un des plus utiles. Donc ici, on a l'eau. On clique et ça envoie de l'eau pour emmener ensuite, lorsqu'on va cliquer sur ça, qui va ouvrir la grande porte. Non, ouais, c'est ça. Et quand on veut le fermer, on reclique pour enlever l'eau. Et là, on a envoyé pas mal de poulets, beaucoup trop de poulets, et on va se préparer à les tirer. Attends, on va allumer, parce qu'elle est envoyée des poulets pour rien. Donc, on va regarder en même temps comment ils montent. Donc, comme je vous avais dit, le petit ouais, système ça va. est ici. Il passe pas trop mal. Hein. Ouais, ça monte bien, ça monte bien. Ouais. Il vient ici, ils ont le temps de respirer un peu. D'un bon coup, ils sont bien. Oh, le premier de la course. Et voilà. Donc, rendu ici. On pourra les tirer, ces petits canon de merde. Là, dégage. Il est dans moi. Je... Comme mes cibles. Mes poulets. Donc voilà, les poulets sont tirés un peu aléatoirement et on peut les shotter. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus facile de tirer les poulets. Attends, je te le laisse. De tirer les poulets que de tirer des villageois. Des villageois.
Tout simplement parce que les poulets, là, ils ont la propriété de pouvoir voler après. Donc, comme vous voyez, ils restent un peu buggés. Ils restent pas buggés, mais ils se déplacent. Puis à un moment donné, il y en a qui vont tomber. Oh shit, ils ont été envoyés. Oh, c'est tellement drôle, ils vont voler. Ah, je suis mauvais. Oh non, je suis vraiment mauvais, ils bougent jamais. Donc, comme vous avez vu, je les voyais encore ici. Ah, le dernier! Non! Oh oui, je l'ai eu! C'est moi qui l'ai eu. Donc voilà, je vais l'arrêter. Ok. Ensuite, bon, là, vous voyez les poulets, les petits poulets. Ils vont grandir, ils vont faire des œufs et ils vont pouvoir s'amuser. On va accéder à bébé tarif. En attendant. Puis c'est ça, en gros. Je vous laisse bien observer. Donc, aussi, propriété des fours que Olix m'a appris. Merci beaucoup. Ah, c'est four, dispenser, dropper, ça marche aussi. Ouais, fait que la les slime blocks ne peuvent pas déplacer les shit de même. Fait que ça va très bien pour faire des systèmes. Pour faire nos petits systèmes. Désolé, je mange du popcorn. Ensuite, le dernier système. Le système pour l'eau. Donc, on va aller sous terre. J'ai dit pété de quoi? Non, ok, c'est bon, j'ai choqué. Ouais, j'ai pété. Non, je l'ai pété. Tout est tranquille. Donc, en gros, c'est ça. Fait que, un petit repeater, 100 tics d'ajouter. Et, bien sûr, le dispenser ici. Que je vais faire ça comme ça va être juste plus beau. Donc, voilà. En gros, c'est ça que ça donne. Ouais. C'est cool de voir ça ici. Ok, sinon, t'as-tu quelque chose d'autre à ajouter? Je sais que je parle beaucoup trop, là, mais je suis dans une autre machine. Ouais, non, je pense que t'as bien présenté la machine. Ouais, si vous vous demandez pourquoi Alex parle pas vraiment beaucoup quand on fait des vidéos, c'est parce que quand on tourne la vidéo, il est 3h du matin en France. Ouais, ben là, actuellement, il est 3h30 du matin en France, donc... Pendant que moi, il est 9h30, hein? Ouais. Moi, je suis tranquille. Fait que c'est ça, en gros. N'oublie pas de liker cette vidéo, laisse un j'aime, de suivre notre série The Red Series, et bien sûr, d'aller voir nos prochaines vidéos sur cette série-là, parce qu'on a des machines de ouf à vous montrer, mais vraiment des trucs de malade. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ces calices de machines-là, parce qu'ils prennent du temps à fond. Puis ça, c'est une machine qu'on est en train de développer avec Olix, ouais. Justement, que c'était son idée de départ. Ouais. Là, on vient juste de finir de bosser dessus. Enfin, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça avance. En même temps, j'ai eu une idée l'autre jour, puis c'était de mettre des pancartes qui mettaient par Doualex et Olix, qui mettaient qui l'avait fait. Donc c'est par moi, celle-là c'était par Olix, je crois, ouais c'est ça, Olix du coup. Ouais. Puis une idée de Olix, et donc démontrer qui avait eu l'idée, parce que comme ici, Olix m'avait donné l'idée de la machine à poulet, il avait commencé à essayer sur son monde solo, mais j'ai vraiment créé tout seul cette machine-là à poulet, après ça il m'a aidé, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Parce qu'au départ, elle était différente, je l'ai écrit tout seul. Puis après ça, il m'a vraiment aidé pour faire le putain d'élévateur qui m'a pris trop de temps. Ouais. Ouais, parce que le problème des poulets, c'est qu'ils prennent qu'un bloc de hauteur. Et par exemple, l'élévateur qu'on a fait sur la machine à du lancer de PNJ, ben, c'est deux blocs, tu vois ce que je veux dire? De haut, et du coup, tu peux poser une pancarte et ils peuvent respirer, mais les poulets... Ils peuvent pas. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Fait qu'en gros, on pouvait pas faire un petit truc comme ça. Mais bon, on a réussi pareil, hein. On réussit de tout. Ouais, et du coup, on a bidouillé un petit truc. Ouais, ouais. Puis moi, je trouve ça bon, encore sur un coup de tête. Puis tu vois, ça marche, hein, les coups de tête. Ouais, bien sûr. Ça fait mal aussi dans le ventre. Ouais, ça fait. Ça fait mal à la tête. Non, ça fait mal au ventre. Bon, ça dépend. Quand t'as des abdos d'acier comme moi.
La tête est cassée en deux. Moi, je m'en fous. Tout à fait. Voilà, donc. Il n'y en a pas, parce qu'on a tous tué les papas. Ouais, il n'y a plus d'œufs. Mais c'est ça, en gros, comme vous voyez. Je vous laisse. Depuis tantôt, je fais le tour, là, mais en fait, c'est ce que je vous laisse vraiment observer pour que vous puissiez vraiment voir comment ça a été fait dans les moindres détails. Que vous soyez capable de le reproduire. Parce que c'est sûr que je construirai pas ça dans votre face. C'est tellement long. C'est incroyable. En fait, je viens de vous montrer des inventions. Puis si un jour vous voulez vraiment, vous êtes comme. S'il te plaît! Ben, je vais peut-être faire. Ok, je vais la faire. Mais sinon, quand on l'a fait. Après, on la montre, puis c'est tout. Ouais, disons, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à la reproduire de tête comme ça. Quoi. Bah, on pourrait, mais je veux dire, c'est oui. Trop long. Hein. J'ai pas juste ça à faire. Hein. Bon, allez, moi, j'actionne ça. Je prépare des poulets, et je finis là-dessus. Une dernière démonstration. Ah, putain. Are you ready, bitches? Je suis prêt. Poulet. Encore de nos poulets. 2. 3. Ah, stock les. 3. Putain, je vais en mettre d'autres. Moi, je suis rendu à 4, toi. Mais je suis rendu à 10, toi. Mais je vais plus compter. Ah. C'est moi, ça. Non ah, il y en a plus. Ah, non, non, non. Tandis que je suis rendu à 10 ou 11. Il y en a qu'on a touché un peu comme en même temps. Fait que ça trop... Oh putain! Les poulets! Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime, c'était Twice27 et Olix sur Minecraft en quoi? En créatif. En créatif, ouais. Sur notre série The Red Series, que je vous recommande fortement de voir la playlist et de voir toutes nos autres vidéos. Laissez un like, merci et bonne journée. Donc Olix, je te laisse terminer. Hey, ça marche sur les humains, putain. Sur les humains. Ah. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et puis on se retrouve pour un nouveau petit système redstone. Bye. Ciao, ciao. Ah non, attends. Faut que je finisse sans beauté. Viens. Viens là-dedans. Essaye d'aller là-dedans. Ça marche? Viens là-dedans. Mets-toi en sneaky. T'es là? Je t'attends dans le truc de haut. Voilà. T'es là? Ok, go. Laisse-toi rebondir. Wouhou! Merci et bonne journée!